Je vous fais des gros bisous. À tout de suite. Nous allons prendre notre morceau ici qui mesure 14,8 sur 10,5. Et nous allons évider le centre. Alors moi, j'ai pris ma découpe rectangulaire pour aller plus vite. Et cette découpe mesure 7,5 sur 11. Donc il vous faut un évidement ici au milieu de 7,5 sur 11. Alors je vais la découper et je vous donne les dimensions des bords pour celles qui veulent le faire au cutter et à la règle. Je reviens tout de suite, je coupe. Donc 1,5 pour le haut et 2 cm pour le côté. Pour celles qui n'ont pas la découpe, les découpes rectangulaires, on va venir donc sur l'arrière et on va venir mettre ces deux bandes qui mesurent 14,8 sur 1,2. On va les coller ici en haut puisque c'est ce qui va faire le renfort de la carte. Vous allez mettre les deux autres qui mesurent 10,4 sur 1,5. Par contre, vous allez mettre du double face juste au bord, vraiment au bord, puisqu'après le reste, c'est là que va venir coulisser la carte. Donc si vous mettez du double face partout, vous allez être embêté. Donc, nous avons nos bandelettes ici en haut qui mesurent 14,8 sur 1,2. Donc, une en haut, une en bas. Et les petites bandelettes de 10,4 sur 1,5 avec du double face que sur le haut puisque nous avons besoin ici que notre carte puisse passer. D'accord? Et on va prendre maintenant la bande de papier qui mesure 18 sur 8,5. On va faire des plis à 1 cm, 5 cm, pareil de l'autre côté, 1 cm et 5 cm du bord. Ici 1 cm, 5 et pareil de l'autre côté 1 cm et 5 cm. Je vous fais voir le schéma d'Yvette. Vous allez comprendre un petit peu ce que l'on va faire. Donc là où vous avez fait le pli à 5, vous allez faire un petit repère à 1 cm du bord, 1 cm du bas et on va faire une encoche, enfin une entaille en fait au cutter qui mesure 1,7 cm. Alors, je vous laisse regarder. C'est l'encoche à travers laquelle nous allons passer la bandelette de rhodoïde. Donc, le rhodoïde passe dans les trous ici. Ensuite, nous allons marquer les plis. Donc ensuite, vous allez replier, vous allez marquer vos plis et normalement, ça ne doit pas se chevaucher.
On est d'accord? Ça doit arriver juste à ras, si vous ne vous êtes pas trompé. Et on va venir mettre de double face ici. Et on va venir coller donc ces deux morceaux ici qui mesurent 7,4 sur 8,5. Voilà, donc vous devez avoir votre bande complète et lorsque vous allez replier, ça doit venir ici au centre, pareil, sans se chevaucher. Et on va passer à la décoration de ce papier. Donc moi, ce que je vais prendre, c'est bien entendu mon set chouchou avec mes petits palmiers. Et je vais tamponner une fois le palmier ici, puisque je vais le découper. Et une fois ici, donc en fait le motif va déjà être quasiment effacé, juste pour donner un petit motif au fond de mon papier. Donc ça, c'est le motif que je vais découper. Et ça, c'est le motif que je viens mettre pour le fond de ma carte. Comme ça, rien ne se perd. On décore en même temps et on prépare son motif à découper. Donc comme vous voyez, en deux couleurs, c'est quand même plus joli. Allez, je vais coller mon petit papier sur le fond de ma carte. On va venir coller ces deux papiers blancs ici aux extrémités. Donc ceux qui mesurent 7 sur 8. Donc normalement, vous devez obtenir ceci. Vous avez collé vos papiers imprimés, votre papier au centre de votre bande. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer sa bande de rhodoïde derrière. Vous allez passer votre bande de rhodoïde dans les petites encoches et vous allez prendre les deux petites chutes de papier. En fait, c'est ce qui va venir ici faire une petite butée. Donc, on va venir coller ici au bord du rhodoïde. On va ici coller sa petite bande sur le rhodoïde. Et donc, en fait, quand vous allez ouvrir votre carte, vous avez la petite bandelette. Alors, faites attention que la bandelette soit plus large. Donc, moi, ici, la mienne, elle n'est pas assez large. Il faut qu'elle soit plus large que l'encoche, hein, sinon elle va passer au travers. Alors, il faut qu'elle soit un petit peu plus grande. Voilà. Voilà, il faut vraiment que ça bloque de chaque côté, que votre petite bande de papier ne passe pas au travers des encoches. Et en fait, quand vous allez ouvrir, c'est ce qui va faire la butée de la carte, en fait.
Et donc maintenant, quand c'est fait, moi je vais prendre mes petits palmiers et je vais venir, comme d'habitude, leur donner un peu de volume. Venir mettre les petites pointes de colle ici et je vais venir coller mes palmiers sur. Alors bien sûr, faut pas que ça gêne hein, au niveau de la carte. Comme ceci. Voilà, on est bien. Et vous voyez en fait la petite bande de rhodoïde, ça permet de donner un petit effet comme ça. Et comme on a fait le fond de la carte tout de suite, ça donne ce petit côté savane, tropique, à tout ce que vous voulez. Et voilà ce que l'on a comme effet avec le rhodoïde. On pourrait très bien aussi imaginer refaire encore une autre encoche, remettre encore une autre bande de rhodoïde et refaire encore un autre décor, faire plusieurs plans en fait. Un arrière-plan, un plan un petit peu plus rapproché. Mais bon, moi je pense que là c'est bon, hein, parce qu'après on risque d'avoir trop de volume après pour la carte. Et donc quand c'est fait, on va venir ici faire des petites encoches à peu près au milieu, on essaye de se centrer. Et on va glisser sa carte ici. Hop, à l'intérieur, comme ceci. Alors, certaines préféreront peut-être mettre un papier blanc avec un texte en deux morceaux. Et maintenant, je vais finir de décorer puisque moi, j'avais déjà préparé mes petites fleurs. Et je vais mettre. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre tu es. Allez, tu es formidable. Ma memento. Alors, ce tapis aussi sert, comme vous avez expliqué, quand vous avez des tampons acryliques, vous n'avez pas l'épaisseur de mousse qui vient amortir le tampon. Et en fait, voilà, le fait d'avoir ce petit tapis, on a l'amorti de la mousse comme les tampons mousse. Et donc, je vais mettre tu es formidable avec cette découpe. Alors, soit vous collez ici votre texte là, ou moi j'ai envie de le mettre ici. Allez, on va masquer un petit peu les troncs. Elle n'est pas top cette carte, franchement. Est-ce que vous pensiez réussir une carte pareille, dites-moi tout. Alors là, j'ai ma version comme ceci. Et vous avez la version verte